Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et alors, donc, comme Gilles vient de le dire, ce sont les étudiants du Master 2 Cinéma de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et donc, dans l'ordre, il y aura Lucas Péquer, Boyan Buet, et c'est Arsène Billot qui commence. C'est moi. C'est moi. Alors, merci encore d'être là, hein. Ça nous fait super plaisir, on adore vos films. Et voilà, on va commencer par le commencement. Votre rencontre, évidemment, sans surprise. Vous êtes tous les deux nés en 1976, à Paris et à Menton. Vous vous rencontrez à Bruxelles en 97. Et vous étudiez ensemble à l'INSAS, je crois. Non. Première faute. Allez-y. Non, à l'IAD. Ok. Et donc, c'est dans ce lieu-là que vous autoproduisez plusieurs courts-métrages et que vous rencontrez notamment François Cognard et Ève Comange, et qui produira ensuite tous vos longs-métrages et courts-métrages, dont Amer en 2009, un hommage postmoderne au giallo, puis, 5 ans plus tard, L'étrange couleur des larmes de ton corps, et en 2017, Laissez bronzer les cadavres, votre dernier film à ce jour adapté de Jean-Patrick Manchette. Et j'ai cru lire dans une interview sur Courte Focale que c'était lorsque vous étiez étudiant, c'est vous, Bruno, qui avez fait découvrir à Hélène le giallo, genre cinématographique italien naviguant entre horreur, policier et érotisme, avec notamment comme réalisateurs Dario Argento, Mario Bava, Massimo Dellamano, Lucio Fulci et bien d'autres encore. Et le point commun entre les giallo et vos films, il y en a notamment un, petit mais de taille quand même, c'est qu'il y a toujours des titres assez rocambolesques, assez inédits. On pense notamment à L'oiseau au plumage de cristal, Toutes les couleurs du vice, Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé, par exemple. Et vous devenez encore plus fan que lui, apparemment, du giallo. Et en fait, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est de nous parler de ce moment de votre vie où vous êtes passé de cinéphile à cinéaste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Ben, ça s'est passé, bon, moi, de mon point de vue, ça s'est passé quand j'ai changé d'études. En fait, j'avais fait des études de comptabilité et d'hôtellerie avant de faire des études de cinéma. Et j'étais cinéphile. Et puis, je voulais essayer de vivre ma passion. Et du coup, j'ai présenté les concours d'entrée après avoir terminé mes études de comptabilité et d'avoir travaillé dans des hôtels où c'était pas vraiment un truc auquel j'aspirais. Et après, est-ce que je suis devenu cinéaste ? Je sais pas, parce que c'est quelque chose qu'on pratique tellement peu finalement, puisque on fait un film tous les 4 ans. Et j'ai pas l'impression que c'est vraiment mon métier. Mais en tout cas, le déclic, ça a été de changer de vie et d'études. Je suis arrivée vraiment au cinéma parce que j'étais cinéphile, mais surtout de films qui me donnaient des pistes pour trouver un moyen d'expression, parce que l'oral, c'était pas mon truc. Et donc, quand j'ai vraiment découvert, donc j'aimais les films qui me permettaient de trouver une forme d'expression et qui soit autre que des paroles. Et donc le cinéma, c'était vraiment fait pour, quoi. Et le passage, on a fait ce passage, je dirais vraiment quand tous les deux ensemble. Mais j'ai l'impression quand même, moi par contre, d'être cinéaste tous les jours, parce que c'est tellement galère. C'est tellement tous les jours une lutte pour faire des films au quotidien, sans qu'il y ait aucune limite, d'autant qu'effectivement on fait les films à deux et qu'on vit ensemble et qu'il n'y a aucune limite, que j'ai l'impression d'être cinéaste 24 heures sur 24, même plus peut-être, tous les jours. Et peut-être c'est ça, c'est que toi tu as l'impression de ne pas être cinéaste et c'est moi qui porte tout en fait. Et pourquoi avoir choisi une école de cinéma en Belgique comme l'IAD ?
Moi, de mon côté, c'était un hasard. J'ai rencontré un gars qui habitait dans une ville pas loin de chez moi, dans le sud de la France, qui a fait l'IAD. Et puis, c'est juste une rencontre qui a fait ça. Voilà. Et puis, bah, moi, c'était pareil. Ma meilleure amie a fait l'IAD. Et j'étais là en train de rêver. Elle était ingénieure du son et je rêvais de tout ce qu'elle faisait à l'école. J'étais là en train de me dire, c'est formidable. Elle revenait le week-end et on faisait les exercices ensemble. Et j'étais là, waouh, c'est trop génial. Et voilà. Et en France, il y avait beaucoup d'écoles privées et ça coûtait très cher. Et là, c'était des études publiques. Et donc, moi, en tout cas, ça me semblait de meilleure qualité. Et voilà, c'est pour ça aussi. Vous avez fait votre premier film ensemble, Catharsis, en 2001. Et ensuite, il s'est passé 10 ans avant la sortie d'Amer, votre premier long métrage. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période d'inspiration et puis de préparation pour passer au long métrage ? En tout cas, ce premier court métrage, c'était vraiment, vraiment la base. Vraiment, ça a été quelque chose qu'on a fait de manière impulsive, qu'on a fait comme dans un élan. Et ça a été en fait fondateur. C'était vraiment, vraiment toutes nos bases. Comment dire Tu peux essayer de. Non, en fait, plus précisément, si je puis me permettre. Vas-y, oui. Donc on est sortis ensemble et puis on s'est dit, tiens, c'est l'amour et tout ça, on va essayer de faire un film ensemble vu qu'on faisait nos études tous les deux. Et moi, j'avais une idée d'un court-métrage que je traînais depuis un an. Et je n'étais pas vraiment dans l'action. Et Hélène, elle était beaucoup plus dans l'action. Et du coup, elle a dit, on n'a qu'à essayer de faire cette idée que tu as, vite fait, bien fait. Et donc, on voulait tourner en pellicule. Et en fait, on n'avait pas les moyens de tourner en pellicule parce qu'on n'avait pas d'argent. Et donc, elle adorait la jeter. De Chris Marker, et du coup on a fait le film en pixelation avec des diapositives et donc on a fait le film avec 75 euros pardon, et dans notre cave, dans ta cave pardon, c'était pas encore la nôtre. Et on a fait ça en un week-end sur un coup de tête. Je crois que le vendredi on s'est dit qu'on le faisait et puis on tournait samedi, dimanche. Et donc, en fait, à l'école, on mettait beaucoup de temps à chaque fois pour faire un court-métrage et on était souvent un peu déçus du résultat. Et là, on a fait ça très vite. Et ça n'avait jamais donné aussi bien. Ouais, ça n'avait jamais donné aussi bien. Et du coup, ce truc-là, on l'a fait en un mois. Et puis, on l'a envoyé dans des festivals et puis il a super bien marché. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on avait moi, j'étais projectionniste et Hélène était libraire et on mettait 50 euros de côté chaque mois et on s'est pris au jeu de faire un court-métrage par an, autoproduit. Et voilà, on a fait ça pendant 4 ans d'affilée. Et donc, du coup, on a appris vraiment par la pauvreté, dans le sens où on n'avait pas de moyens. Et c'était que de la pratique. En plus, c'était des univers, on va dire, oniriques, et il fallait les créer avec rien du tout. Et donc, on a appris vraiment avec le zéro budget, comme ça. Donc, c'était pas du tout intellectuel, c'était vraiment dans la pure pratique. Ouais. Et comme c'était donc des films, donc avec très peu d'argent, ça nous a un peu. Ça nous a imposé une manière de réaliser. Donc, on faisait. À cause des moyens, c'est vrai qu'on était surtout dans des gros plans et on était et comme il y avait aussi donc pas mal d'effets spéciaux parce que c'est des films d'horreur. Du coup, on a été vraiment dans la recherche de comment, avec zéro moyen, essayer de faire des films qui n'étaient pas trop cheap, qui faisaient pas trop vraiment cheap. Et donc c'est comme ça que donc on en est venu à faire, on voulait la texture pellicule donc avec les diapositives, et les diapositives nous permettaient de faire des effets spéciaux puisque c'était pixelation, donc on faisait les effets spéciaux comme ça, et aussi pour le son, ça nous a en fait mis une manière de travailler, parce que comme c'était un appareil photo, il n'y avait pas de son.
Donc on a dû recréer en post-production absolument tout le son. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment posé des questions sur l'univers sonore, comment construire quelque chose au son. Et ça nous a permis d'aller aussi très vite au tournage sans son, sans prise de son, et de réfléchir, d'avoir une vraie réflexion sur le son ensuite en post-prod. Et ça, on l'a gardé sur nos films live qu'on a fait après. Voilà. Il y avait des ateliers de production à Bruxelles, je pense à l'atelier de jeunes cinéastes qui soutenait et qui soutient toujours des films expérimentaux et underground et d'horreur. Vous ne les avez pas contactés ou vous aviez envie de rester maître et autonome entièrement des courts-métrages que vous réalisiez? Oui, en fait, à l'époque, bon, nous, on était comme on était à l'école, on sentait qu'avec le genre de film qu'on faisait, qu'on n'allait jamais être vraiment soutenu. Donc, on n'a même pas tenté parce que, voilà, c'était des films d'horreur et on ne se disait pas du tout que les films de genre allaient être soutenus. Et donc, parce qu'à l'époque, c'était quand même fort cinéma social. Il n'y avait pas la diversité qu'il y a maintenant dans le cinéma belge. C'était quand même plus C'était fermé. C'était en 2000, ans, donc c'était il y a 22 ans. Ça a changé depuis, mais il y a 22 ans, c'est quand même dur. Donc, pourtant, il y a un producteur qui vous a fait confiance pour, par la suite, réaliser ce long métrage, du coup. Oui. Alors, donc, comme on a fait ces films par nos propres moyens, avec donc toute petite équipe, c'était des amis de l'école, donc un chef-op avec qui on travaille toujours. En fait, on travaille toujours avec la même équipe, d'ailleurs. Bon, on était en tout, on était 6-7, quoi. Donc, tout est pour tout, quoi. Oui, donc, voilà. Et ces films, il se trouve que comme ils ont bien voyagé, ils ont fait beaucoup de festivals et tout ça, du coup, ça a un petit peu, ça nous a aidés, quoi. Et on a rencontré, du coup, ce qui était formidable, c'est qu'on a rencontré dans les festivals des gens qui nous ont donné des conseils et qui nous ont soutenus. Et donc, petit à petit, ça a permis d'avoir un background, quand même. Et un jour, on s'est dit, il faut qu'on passe l'étape avec un producteur. Ouais. Voilà. Donc, ce jour-là, on s'est dit, voilà, il faut essayer. Mais c'était sur un court-métrage. Et c'était sur un court-métrage. Et donc, oui, comment ça s'est passé déjà? Mal. Moi, Santos Palace. Ouais, c'est ça. Santos Palace. Donc, le dernier court-métrage, c'est une nuit de production. Ouais, tout à fait, c'est ça. Bon, voilà. On avait écrit donc un court-métrage qui nous semblait, enfin, il n'était pas d'horreur. Ça nous semblait être l'occasion, du coup, de travailler dans des conditions dites professionnel. Et donc on a demandé à une boîte de production qui nous a pris, on a eu la commission du film et on a fait donc ce film. La relation avec le producteur n'était pas top parce qu'on avait du coup une manière de réaliser qui était donc depuis tout ce background, depuis ces quatre ces quatre courts-métrages, qui était toujours cette même logique où, donc il faut savoir, c'était que nos courts-métrages étaient muets, donc il n'y avait pas de dialogue, tout passait par la forme, et donc nous, on s'est vraiment rejoints sur un truc, c'est que moi, l'idée, c'était de trouver le moyen d'exprimer nos idées à travers les outils du cinéma, et donc qu'un dialogue ne soit pas explicatif, mais que s'il y a un dialogue, c'est qu'il apporte quelque chose... un son, enfin la sonorité, la musicalité, enfin ou quelque chose, mais que ce soit pas didactique. Et donc tous nos films étaient muets. Et là, Santos Palace, il est pas muet, mais le dialogue va pas beaucoup aider si on veut comprendre quelque chose. Et sauf que du coup, tout passait par la forme, le découpage, le montage, le jeu, enfin, et que le producteur ne comprenait pas du tout cette affaire-là, et que on avait énormément de plans. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de plans, et clairement, il nous a dit, mais enfin, il suffit d'un bête champ contre champ et un plan large, et puis c'est torché, quoi. Il nous dit, oui, mais alors là, il n'y a plus aucun intérêt à faire le film, donc c'était conflictuel, on ne se comprenait pas, et ça ne s'est pas bien passé. Mais ce qui s'est bien passé, c'est que donc là, son assistante de prod aimait ce qu'on faisait,
Et au final de ce court-métrage, elle a démissionné et elle a créé sa propre boîte de production et elle a ensuite été notre productrice pendant les trois films qu'on a faits. Eve Comange d'Anonyme Film. Eve Comange d'Anonyme Film. Je propose qu'on regarde justement l'introduction d'Amer, le générique, pour un peu vous introduire le public à votre univers. Le choix de cet extrait vient notamment d'une volonté d'illustrer une part assez fondamentale de votre cinéma. À partir du fait que, par exemple, Quentin Tarantino a cité Amer parmi ses films favoris de l'année 2010. Et donc, comme on le sait, Tarantino, il n'est pas sans représenter un cinéma, on va dire, un cinéma de cinéphile, enfin, qui revient un peu sur des esthétiques antérieures à son époque. Et vos films, eux, reprennent explicitement donc, l'esthétique du giallo. Et de pair, vous reprenez carrément ici la BO d'un film de giallo donc, qui s'appelle La Coppa del Scorpione. Désolé pour mon accent italien. Donc, qui date de 1971 et dont la BO est réalisée par Bruno Nicolai. Et qui ouvre donc littéralement votre premier long métrage. Vous tournez également sur pellicule. Alors pourquoi une telle proximité avec un cinéma, j'allais dire à l'ancienne, et aussi pourquoi l'iconographie du giallo et pas une autre? La musique, c'était une de nos musiques préférées, dans nos génériques préférés de giallo. C'était une femme qui marche avec un chapeau rouge de dos et on l'a regardé des dizaines, des trentaines de fois, on adorait. Et quand on imaginait le début de notre film, on imaginait cette musique-là, parce que quand on a écrit le scénario, on avait le CD et puis on l'écoutait en boucle. C'était vraiment une des premières musiques qu'on avait choisies. Puis après, par rapport au giallo, c'est un genre qui est un genre policier avec des enquêtes, mais c'est un genre hyper graphique où tu as tout des codes qui sont liés à Eros et Thanatos et qui, au-delà de l'enquête policière, parlent de choses plus intimes, plus liées à l'érotisme, à l'intériorité de l'assassin, des personnages. Et donc nous, on s'est servi de ce langage-là, de ces codes-là, pour raconter l'histoire de cette fille à trois moments de sa vie.
qui était donc la découverte du corps et de la sexualité à trois moments de sa vie. Et comme c'est intrinsèquement lié, c'est vraiment la matière première du giallo au-delà de l'enquête policière, ben on s'en est servi pour raconter une histoire intime. En fait, c'est vrai que moi je ne connaissais pas ce genre-là avant de connaître Bruno. Quand il me l'a montré, c'est vraiment le genre qui m'a fait vraiment... je me suis vraiment arrêtée dessus parce que... Alors, c'est peut-être parce qu'il est quand même dans une période qui était quand même aussi foisonnante dans pas mal de différentes cinématographies, mais il y avait vraiment donc cette iconographie très forte, notamment parce que donc parce qu'elle parle finalement à tout le monde inconsciemment. Donc oui, c'est des intrigues où il y a un assassin qui est donc habillé tout en cuir noir avec des gants en cuir noir. Donc il est très mystérieux. Et cette silhouette de l'assassin, elle est hyper iconographique. On la retrouve dans, en fin de compte, plein de choses, plein de films, sans s'en rendre compte. Mais quand on s'arrête vraiment dessus, c'est riche parce qu'en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, dans Hammer, on a détourné cette figure-là pour en faire autre chose, un protagoniste, voilà, un peu différent. Mais donc on s'est rendu compte que tous les codes qui étaient utilisés étaient finalement intégrés un peu souvent dans un peu plein de genres de films, et on pouvait vraiment s'en servir pour raconter d'autres choses en détournant ces codes là et en même temps c'est une imagerie qui est très forte, et donc il y a moyen de se servir de cette force pour raconter notre histoire, d'autant que nous on n'a pas de parole. Enfin, ou très peu. Donc, se servir de ce que dégagent ces icônes, enfin, cette iconographie, pour remplacer une parole, et juste avec le montage, enfin, avec tous les outils, raconter, c'était plus simple pour nous de raconter à travers ces codes-là ce qu'on avait envie de dire. Et le giallo, c'est vraiment du cinéma pur. Dans le sens où c'est cette question fondamentale de la manière de lire une image. Et comme dans Les frissons de l'angoisse, je ne vais pas vous raconter, non. Mais bon, c'est vraiment central. C'est vraiment le point de vue du spectateur est important, et on joue avec le point de vue du spectateur. Il fait partie du film, quelque part. Son regard fait partie du film. Et ça, pour nous, c'est génial, quoi. Enfin, et justement, quand on n'utilise pas de dialogue, tu as tout le côté polysémique de l'image qui entre en jeu. Et comme pour nous, les films, la manière dont on les a écrits, il y a plusieurs significations pour chacun des films, pour chacune des images. Bien, ça permet justement de jouer avec la signification d'un plan qui peut avoir plusieurs significations et faire partir le film dans d'autres directions, un peu comme quand tu lis un livre où tu as ta subjectivité en tant que lecteur qui te plonge dans l'univers. Mais là, c'est un peu pareil avec le film. Et justement, vous écrivez des images. Et je trouve ça assez intéressant ce que vous dites. Surtout, on n'a pas encore vraiment vu d'extrait d'un film, mais... vos films ont peu de dialogue, ils sont très visuels, et du coup on s'imagine comment vous écrivez les scénarios. Vous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez de la musique pendant le processus d'écriture, une musique qui s'est retrouvée d'ailleurs dans le générique. Comment vous organisez pour écrire, par exemple, votre premier film? Est-ce que vous avez essayé de constituer une méthode? Est-ce que vous écrivez ensemble, l'un après l'autre? Comment on écrit à deux, en fait? Et surtout, comment on écrit à deux quelque chose où vous voulez mettre le spectateur au centre. Donc, comment se passe ce travail-là, et est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure des longs métrages? Alors, c'est pas facile parce que c'est hyper intuitif. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment théorisé un truc, et parce qu'à chaque film, c'est différent, et on rencontre des problèmes souvent aussi. Voilà. Bon, ça fait partie du processus, hein. Et mais en tout cas, c'est vrai que pour Hammer,
Parce qu'effectivement, chaque film, c'était différent. Mais Amère, en gros, c'était Hélène qui avait écrit la partie centrale. C'est en trois parties. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et c'était censé être un court-métrage qui était justement dans la continuité de Santos Palace. On avait fait des trucs gore jusqu'à présent, et puis on allait vers quelque chose de plus sensoriel, contemplatif. Et donc, comme on a eu une mauvaise expérience de production avec le Santos Palace, on s'est dit, la partie centrale d'Amère, qui était donc un court-métrage, l'adolescence, on ne peut pas le faire autoproduit parce qu'on voulait tourner en extérieur, en pellicule, et on n'avait pas assez de ressources tous les deux pour l'autoproduire. On ne pouvait pas étirer ce court-métrage sur 1h30. Et puis surtout, on s'était dit, plus jamais de court-métrage produit, parce que c'est trop dur. Si jamais on fait quelque chose de produit, ça va être un long-métrage, parce qu'un court-métrage, ça ne vaut pas le coup, parce que c'est trop dur. Et en fait, on a vu un film belge qui s'appelle Crazy Love, de Dominique de Rudereux, où c'est la découverte adaptée de Bukowski. C'est la découverte d'un personnage masculin à trois moments de sa vie, de la sexualité. Et on s'est dit qu'on ferait bien le pendant féminin de ce film avec Amère. Et donc, Hélène était partie sur quelque chose qui était plus lié au cinéma érotique japonais dans la partie centrale. Ouais. Pour parler de l'enfance, on s'est inspiré du film d'horreur gothique à la Mario Bava, style La Goutte d'eau. Parce que, par exemple, Suspiria, qui fait partie de Dario Argento, qui fait partie de ce genre-là, était conçu à la base par Dario Argento comme étant un conte enfantin horrifique pour adultes. Et donc on s'est dit, ah tiens, pour parler de l'enfance, ce sera parfait. Et la troisième partie, plus axée sur le giallo, où dans le giallo, tu as des personnages féminins qui, des fois, se perdent dans leur fantasme, qui sont dans une zone grise, notamment les personnages d'Edwige Fenech ou de Florinda Bolkan. Et donc on est parti de ces personnages féminins-là pour en faire vraiment le portrait de l'adulte. Et ça s'est écrit comme ça. Et donc on était vraiment en pure concertation, bon, sachant qu'Hélène avait posé la graine qui était l'histoire centrale. Et puis après, on allait dans des cafés, puis on parlait, et puis c'est venu comme ça. Celui-là, on l'a vraiment écrit de concert quand même, j'ai l'impression, non ? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Oui, on a écrit ensemble, on allait dans des cafés, et on discutait, et là, on fait quoi ? Et là, voilà. Celui-ci, c'était comme ça, ouais. Et pourquoi cette envie viscérale de vouloir tourner en pellicule ? Okay. C'est encore du Super 16 ou c'est... Là, c'est du Super 16, ouais. Et tous les autres qu'on a fait, c'est en Super 16. Donc, ça se tournait en extérieur. Et nous, quand on voyait en digital le côté méditerranéen, ciel bleu, soleil et tout ça, il manquait la patine. Il y avait un truc qui passait pas et c'était froid, c'était chirurgical. Et on voulait quelque chose de chaud. Et l'air de rien, pour concrétiser un univers qui n'existe pas, qui est atemporel, la substance de la pellicule permet la chimie de la pellicule permet de faire l'alchimie et de faire exister cet univers. Et justement, pour parler de votre travail avec l'image et notamment avec votre chef opérateur Manu Dacos, on va passer un extrait de Au pour orgasme que Boyan peut peut-être introduire. Qui n'est pas en pellicule. On n'avait pas l'argent pour le faire en pellicule. Oui, autant pour moi. C'est pas grave, c'est avec lui. Mais voilà, c'était pour le dire. Ouais, qui du coup est un court-métrage de 3 minutes que vous avez réalisé en 2012 dans le cadre du film à sketch ABCs of Death. Et donc, qui arrive explicitement à la lettre O et qui rappelle notamment cette citation de Elina Lowenson, une de vos actrices avec qui vous avez travaillé, qui parle d'un orgasme qui rappelle la mort et d'une explosion des images.
Vous aviez dit à Manifesto 21 au sujet du film que vous aviez seulement deux contraintes qui étaient de choisir la lettre pour le projet collectif et de rester dans les temps, 3 minutes. Et ça sent, on voit que vous avez eu beaucoup de liberté avec Manu Dacoste pour faire le film. Est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration avec lui sur ce film mais aussi sur tous les autres? Oui, il y avait aussi une autre contrainte. Hein. C'était le budget. Ah oui. Ce qui est bien avec Manu, c'est qu'on a toujours travaillé ensemble, sauf sur Catharsis, sauf sur le tout premier court-métrage, mais après, ça a toujours été lui. Et du coup, en fait, donc, comment dire, dans notre manière d'écrire en fait, le scénario, du coup, il faut revenir à ça, mais donc, quand on écrit le scénario, en fait, on écrit des images, on écrit des sons, on écrit ce qu'on voit, en fait. On écrit, voilà, pour essayer de... Quand on lit le scénario, que ce soit comme si on est face à l'écran, donc on décrit les images, on décrit les sons, et voilà. Donc ça, on fait comme ça. Ensuite, l'autre phase qu'il y a avant d'en parler à Manu, c'est qu'on fait le découpage. Parce que le découpage va être notre manière de... c'est la fin du scénario, voilà. Et une fois que... Parce que donc, vraiment pour nous, chaque plan est un mot... l'un à côté de l'autre, le montage, ça forme la phrase, et voilà. Donc une fois qu'on a fait ce découpage, Manu arrive et il nous, c'est là qu'il y a le travail avec lui où il nous dit ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, qu'est-ce que le plan de travail, comment et on organiser voilà. Le plan de travail. Mais voilà, donc là on arrive dans les choses concrètes et il nous voilà, il nous dit comment est-ce que ça peut se faire. Voilà, ce qui est... Parce que nous on fait des essais avec une petite caméra, mais il n'y a pas la profondeur de champ et il y a des choses qui sont super faciles à faire avec. Parce que par exemple pour celui-là, on avait tout fait avec une petite caméra. Pour les 3 minutes, c'était assez court et donc c'était super facile à faire, mais après à mettre en place avec du matériel plus professionnel, c'est plus compliqué, voilà. Et oui, et puis donc bon, pour le coup pour ici c'est fait avec une caméra spéciale, c'est la caméra fantôme pour avoir les ralentis, et bon, c'était la première fois qu'on l'utilisait, donc voilà, il nous conseille, il nous guide pour tout ce qui est vraiment comment réussir à, en tout cas, s'approcher le plus possible de ce qu'on imagine, de ce qu'on imaginait. Par quel chemin on passe, voilà. Quelle technique utiliser. C'est vraiment un point de vue pratique et technique. Voilà, il nous guide sur comment faire pour arriver au résultat qu'on voudrait. En tout cas, s'en rapprocher, sinon. Et justement, vu que vous visualisez tout dès l'écriture, en fait, je voulais vous poser la question du casting. Est-ce que vous avez déjà en tête un comédien ou sinon... Comment trouver la tête que vous cherchez et comment est-ce que vous vous mettez d'accord forcément sur le comédien après ou la comédienne? Alors, si on a un comédien ou une comédienne en tête, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple ou pas, parce que si on ne peut pas l'avoir, c'est plus compliqué. Sinon, c'est difficile. Hein. Le casting, c'est vrai que souvent, c'est difficile de trouver la personne qui correspond. On cherche des fois beaucoup, c'est difficile. Mais c'est vrai que souvent, on tombe d'accord, en général, on tombe vraiment d'accord.
Ouais, mais c'est super dur parce que tu as une image mentale qui n'existe pas, de quelqu'un qui n'existe pas et que tu ne trouves pas. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. À chaque fois, on a beaucoup de mal à trouver les gens. C'est une étape difficile. Voilà. Ouais. Que dire ouais, c'est pas évident. On peut enchaîner directement sur un nouvel extrait encore de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Passe-moi des allumettes. Non, descends. Passe-moi des allumettes. Je vois même pas la sortie. Alors, vous mettez en exergue dans ce film une esthétique reprenant allègrement les motifs de l'art nouveau. Et aussi, donc vous ne cherchez aucunement à unifier le décor, mais plutôt au contraire, vous le travestissez, vous le rendez de plus en plus instable tout le long du film, hein, parce que bon, ça, c'est vraiment un avant-goût. Hein. Et donc, comment vous est venue l'idée de l'art nouveau? Et comment effectuez-vous vos repérages? Et aussi,
quelle sensation cherchez-vous par l'omniprésence de l'art nouveau et aussi de pair par aussi un motif, chacun de vos films reprend un motif particulier comme ça aussi. Alors l'art nouveau ici, bah, c'est parce que c'est Bruxelles. Okay. Voilà, donc à Bruxelles, il y a pas mal de maisons art nouveau comme ça, et donc dans le quotidien, on croise tout le temps des maisons art nouveau. Dans notre quartier, il y en a plein. Et alors, c'est vrai que l'architecture a toujours une grosse importance dans nos films, et à chaque fois, ce sont des les maisons, oui, sont très importantes, et souvent c'est ça part de quelque chose de familier. Donc, par exemple, dans Amer, la maison est très importante, mais c'est une maison qui faisait partie de l'enfance de Bruno, parce que c'était à côté de là où il a grandi, et c'était une maison hantée de son enfance. Donc là, c'était voilà. Là, c'est de l'art nouveau. C'est tout des. On a tourné quasiment que dans des maisons qui sont pas très loin de chez nous, et elles sont pas ouvertes. Elles n'étaient pas ouvertes au public à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'elles ne le sont pas trop non plus, toujours. Et donc, c'est des maisons qui sont... voilà, on voit les façades, et puis elles sont fermées, et puis le cinéma permet de les ouvrir. Donc, ça, c'est formidable, du coup. Et quand on rentre dedans, bon, elles sont voilà. Il y a une aura, voilà, qui est vraiment... importantes, et puis qui elles sont aussi, il y en avait une qui était très labyrinthique, et ça correspondait exactement à notre narration pour L'étrange couleur. C'est vraiment un film labyrinthe, on est dans un labyrinthe, et l'architecture Art Nouveau avec aussi toute cette iconographie foisonnante de plantes qui va dans tous les sens, de femmes un peu déifiées comme ça. Et ça correspondait exactement à notre sujet. Donc c'était vraiment le courant parfait pour soutenir notre propos. Ouais, et puis en fait, l'architecture du passé permet de créer un univers onirique et fantastique facilement. Et je rajouterai quoi ? Un dernier truc, c'est que... je ne me rappelle plus. parce qu'en fait, effectivement, donc, c'est une ville moderne, Bruxelles, et puis quand tu passes devant ces maisons-là, tout d'un coup, ça appelle au fantastique, à quelque chose qui sort du réel, du commun. Et oui, par rapport au côté sensoriel, la maison dont parlait... Hélène, l'hôtel Solvay, elle est construite sur deux maisons. Tu as deux maisons qui n'en font qu'une. Et quand tu rentres dedans pour la première fois, tu es complètement perdu et tu es enivré par le travail qu'a fait Horta, par le travail de l'architecte, parce que tu perds tous tes repères. Et du coup, on a passé 3 ou 4 jours avant de comprendre comment elle était faite pour pouvoir faire les plans, parce que tu as vraiment une sensation physique forte. Et donc, on se disait qu'en la filmant, on arriverait à... on voulait faire un film physique, sensoriel, et on se disait que cette architecture, l'effet qu'elle nous donnait, pouvait être transmis au spectateur. Voilà. Lucas, tu voulais peut-être revenir sur les récurrences stylistiques des films. Tout à fait. Parce qu'on voit dans cet extrait beaucoup de. On a parlé déjà des récurrences un peu stylistiques du giallo, mais il y a aussi des récurrences de motifs. Par exemple, je pense beaucoup aux trous, aux yeux, sans cesse, mais il y a aussi des lames, du cuir, il y a beaucoup de choses qui se font écho dans vos films. Comment est-ce que vous avez construit ensemble un peu cette grammaire visuelle commune ? Alors, en fait, pour vraiment se mettre d'accord, donc en plus du scénario, ce qu'il y a, c'est que voilà, quand on écrit ensemble, et comme c'est justement effectivement sensoriel, on veut tout faire passer par un ressenti physique, plus que par même... on ne veut pas spécialement un truc cérébral, on veut vraiment un truc de ressenti physique. Donc on joue beaucoup sur des associations d'idées, on joue beaucoup sur un impact sur le spectateur qui serait plus dans le ressenti que dans l'intellectualisation. Donc ça, c'est quand même du coup assez subjectif quand même. Et donc, ce qui fait que souvent les idées qu'on a, donc,
il faut qu'on les essaye pour être sûr d'abord que ça fonctionne et puis deux qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait, qu'on ait envie de dire la même chose que ça, voilà. Donc ce qu'on fait en général d'abord c'est on fait donc une fois qu'on a fait le découpage on fait un test donc c'est ce que tu disais on filme le découpage mais chez nous avec des nounours bon, on fait les plans et donc on a une version à chaque fois des films complètement débile avec des nounours ou avec nous enfin voilà. Un peu comme un animatique en animation quoi. Voilà. Mais donc vraiment avec nous deux. Une version suédée. C'est des versions. Voilà, on appelle ça des versions suédées. et donc du coup, là, on voit. C'est là vraiment où on voit concrètement ce que l'autre voulait vraiment faire des fois. Et voilà. Et ça nous permet aussi de se faire comprendre des autres. Pour que l'équipe. C'est important pour l'équipe d'avoir aussi ce matériau-là. Voilà, et c'est aussi un fil rouge pour le montage, pour le monteur aussi, parce qu'il se reçoit des tonnes de petits plans, il ne sait pas quoi en faire. Voilà, donc c'est comme un fil conducteur qui va ensuite vraiment être très important pour tout le restant du processus. Et alors, au niveau de ces petites choses, de ces petits éléments qui reviennent, qui sont ça, c'est vraiment dans nos discussions, je ne sais pas. Pas comment. Enfin, c'est vrai que par exemple, il y a des motifs, oui, effectivement, comme l'œil. C'est un motif qui est important dans les Djali et qui nous a marqué parce que l'œil, ben, ça peut représenter tellement de choses. Ça peut représenter, l'œil qui de se sentir tout le temps observé. Donc l'œil qui vient dans ton intimité et qui, surtout dans la mer, il y a plusieurs significations à ce motif de gros plan d'œil. Et celui qui, voilà. Donc l'œil revêt, a plusieurs sens. On est assez tombé vite d'accord, évidemment, sur tous ces motifs, en fait, comme une évidence, hein, dans le fond. Je ne sais pas très bien. Ouais. Disons que quand on a fait la mer, on pensait que c'était le seul film qu'on ferait, donc on ne s'est pas posé de questions. On l'a fait à fond. Puis après, ben, quand on recommence, alors tu dis oui, il ne faut pas refaire la même chose et tout ça, mais à un moment donné, il faut juste que, quand on sent que c'est juste, que bon, voilà, on a fait déjà beaucoup de plans d'œil et tout ça, mais qu'à ce moment-là, pour nous, c'est juste et que c'est viscéral, ça vient de nous et que c'est pas juste. Tu vois, pas avoir conscience de ce que tu fais et peut-être que oui, il y a des trous. Moi, le truc des trous, par exemple, je n'avais jamais vu. Il y a quelqu'un qui nous a fait remarquer ça il y a 2 mois. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de trous. Bon. Mais voilà, à un moment, c'est. Ouais, il faut que ce soit juste pour nous et puis après, ben, ça revient. Mais je veux dire, ce n'est pas une marque de fabrique, c'est peut-être ce qui nous fait vibrer, je ne sais pas. Je sais que le cuir, à chaque fois, quand il y a le moment du cuir avec le bruiteur, c'est toujours le même bruiteur avec lequel on travaille, il amène des nouveaux sacs en cuir et tout ça, et il dit « Ah, ça y est, j'ai un nouveau son de cuir, ça va encore évoluer. » Et puis c'est ce truc de travailler, donc pour un son de cuir, t'en as 3 différents. Et puis c'est, voilà, je sais pas, c'est un truc qui nous fait triper, on aime ça. Et je me rappelle, après, pour notre deuxième court-métrage, justement, c'est la première fois qu'on faisait beaucoup quelque chose sur le travail de la figure de l'assassin dans le Djallo. Et on partait dans des gros plans de cuir, et le mixeur trouvait que c'était trop fort. Et nous, justement, plus ça devenait fort, plus ça nous englobait, ça nous enveloppait, et on ressentait quelque chose. Et c'est ce truc-là, à chaque fois, on essaie de trouver le truc qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc il y a les gants en cuir, il y a les vestes en cuir, il y a les pantalons en cuir. Il y a les lames, les couteaux, effectivement, les deux premiers films, c'est tout à l'arme blanche. Ouais, alors le court-métrage que vous avez montré, c'était la strangulation. On n'avait jamais fait ça. Et c'est une des manières. Bon, désolé, hein, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est une des manières de tuer dans le Djallo qui revient. Il y a beaucoup de l'arme blanche, il n'y a jamais l'arme à feu. Et justement, pour notre troisième film, il y avait beaucoup d'armes à feu et on ne savait pas trop comment aborder ça. Et donc, on a essayé de trouver la voie juste. Et donc, oui, on essaie de. Voilà, moi je sais que quand j'étais petit, bon, si on fait un truc psychanalytique, j'adorais tout ce qui était couteau et tout ça, j'étais fasciné par ça. Après, j'ai jamais tué personne, mais du coup, peut-être ça se ressent après dans les films, j'en sais rien. Mais...
Et après, c'est plus la brillance, l'éclat qui nous intéresse. Et le truc de l'arme blanche, en fait, j'ai peut-être trouvé une clé à ça, parce qu'on fait un cinéma qui est sensoriel, lié au toucher. Et il y a quelqu'un qui théorisait sur le giallo et qui disait que pour faire ressentir la violence dans ces films-là, il prenait des choses du quotidien, se brûler, se couper. Et c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et je pense qu'effectivement, le côté arme blanche, c'est quelque chose qui en termes de sensorialité, est facilement identifiable et crée vite des frissons. C'est sûr que voilà, tout ce qui permettait de toucher, enfin voilà, on essayait à chaque fois de convoquer les cinq sens dans nos films. Et clairement, il y a un moment, tu as le toucher, et à travers le toucher, donc effectivement, il y avait le couper, ou voilà, il n'y a pas que ça, hein, mais à chaque fois, effectivement, on voyait que dans utiliser les choses du quotidien, ça permet de parler, tout le monde a expérimenté des sensations de coupure, de brûlure, voilà. Et donc c'est ça qui nous permet, on utilisait tout ça. Et du coup, ouais, par rapport à, par exemple, au court-métrage, Orgasme, bah, l'arme blanche, elle n'y est pas, parce que ça faisait pas... voilà, c'était plus la brûlure ou le fait de plus avoir de respiration qui évoquait ça, plus que l'arme blanche. Mais donc, dans votre imagerie d'érotisme, c'est forcément le sadomasochisme, en tout cas, qui prédomine. En tout cas, dans le giallo, il y a vraiment cette poésie d'Eros et Thanatos, qu'on retrouve aussi dans le cinéma japonais de ces mêmes années. Et en termes d'onirisme et de sensorialité, moi, c'est un truc qui me parle et c'est hyper poétique. Et c'est surtout aussi que ça permettait d'avoir donc un moyen de parler au sens. Parce que comme c'est quand même fort... Fin... Tu lis le suspense à la tension érotique, tu as deux tensions qui se rejoignent et... Ça te plonge dans l'univers, dans le film, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très fort, et c'est comme, bah oui, le suspense, la peur, enfin, tout ça, ça met en tension, et donc ça permet de convoquer des choses quand même très physiques, de parler de manière physique, de manière assez forte pour pouvoir communiquer avec le spectateur. Vous nous avez parlé de l'âme, maintenant on va plus parler d'armes à feu, je pense, avec votre troisième long métrage. Ouais, va peut-être pas si vite, vous voulez parler de scénario kaléidoscopique, Arsène ? Oui, je peux en parler si on a assez de temps. En fait, vous avez dit dans une interview que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, parfois vous écrivez des images et parfois vous faites deux scénarios, un scénario dit de travail et un scénario dit de production. Alors, moi, je voulais vous demander quelle était la différence, même si vous l'avez déjà un peu expliqué. Mais je pense que ce qui pourrait être surtout intéressant, c'est comment on écrit un scénario. Et surtout, est-ce que c'est pour la production ? Est-ce que c'est... Pourquoi un scénario littéraire ? À quoi ça ressemble ? Un scénario littéraire de votre film ? Nous, ça nous a toujours paru un peu bizarre, parce que on se... Mais en fait, le scénario littéraire, c'est que, en fait, quand on lit un scénario, nous, voilà, nos scénarios, c'est gros plan de l'œil d'un tel, et ensuite plan de ceci, plan de cela, au son ceci, cela, voilà. Pour des commissions, ça n'est pas très agréable et c'est compliqué, en fait, visiblement à lire. Et il faut plutôt avoir une écriture où on explique plus. Tout le contexte et installer une narration là où il n'y en a pas forcément. Alors c'est, disons, expliquer la situation, c'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on n'était pas dans l'explication parce qu'on se disait mais les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien besoin d'expliquer, mais en fait c'est compliqué à lire vraisemblablement, il n'y a pas de doute, c'est que c'est compliqué à lire, donc il faut un peu donner des clés, voilà, donner les clés et dire en fait, dire ce qu'il faudrait comprendre. Enlever toute ambiguïté. Voilà, dire ce qu'il faut comprendre et que ce soit plus fluide pour qu'on comprenne, en fait, tout de suite.
Voilà. Parler c'est... du parcours du personnage, par exemple. Oui. Alors, nous, on partait du point de vue qu'en fait, c'était plus, plus juste et plus honnête de dire directement, enfin, de décrire ce qu'il y avait à l'écran, et voilà. Mais en fait, c'est plus compliqué à lire. C'est parce qu'en fait, oui, voilà, c'est plus compliqué à lire. Voilà. Et dans le scénario, votre coproducteur, oui. Qui est donc François Cognat, il a longtemps dirigé Canal Plus Écriture. Et il poussait les jeunes auteurs français à écrire du cinéma de genre. Donc, du coup, est-ce que c'est un allié dans ce passage d'écriture pour les commissions, puisqu'effectivement, il a l'habitude de faire écrire des scénarios et d'en lire et d'en pratiquer. Oui, ben, lui au moins, il avait l'habitude d'en lire. Nous, non, en fait. Mais oui, pour Amer, oui, on avait retravaillé cette fameuse version de financement, on va dire, avec lui. Et effectivement, oui, c'était une autre approche. Oui. Et puis après, on le faisait automatiquement, on écrivait notre scénario. Mais après, le problème, c'est qu'on ne sait plus quel est le bon scénario. Parce que t'as plein de versions sur l'ordinateur, et on ne sait plus celle qui est pour l'équipe, celle qui est pour le... Et oui. On se perd un peu. En tout cas, pour l'équipe, c'est sûr que c'est beaucoup plus utile d'avoir celle qui décrit ce qu'il y aura à l'image, parce que c'est hyper précis. Voilà, je dirais que la version littéraire est moins précise. Mais bon, néanmoins, je crois que même nos versions littéraires sont quand même pas si conventionnelles, finalement. Et vous y joignez un storyboard dans la version de la commission, pardon ? Ah non. Non. Ou un découpage, non, rien du tout. On met pas le... Non. Mais en fait, il y a un vrai problème par rapport au... Ce qui est compliqué avec les dossiers, en fait, c'est, en tout cas avec notre cinéma, c'est qu'on a un cinéma qui est formel. Ça ne va pas avec les commissions. Pour les commissions, si c'est formel, c'est pas bon. Tu es coupable. Mais c'est qu'en fait, ça veut dire que tu n'as rien à dire. Il faut que ce soit... Si tu racontes par la forme, c'est que tu n'as rien à dire. Voilà, en fait. Et c'est ça qui est problématique, et, enfin, qui est compliqué dans nos cas, c'est que la forme doit toujours être un antagonisme du fond. Enfin, un antagoniste du fond. Ils sont toujours opposés. Et nous, on n'arrête pas d'essayer de dire, mais la forme peut raconter le fond. Enfin, ça devrait être juste ça, de toute façon. Les plans ne sont pas là pour juste faire joli, ils sont là pour raconter quelque chose. Voilà. Donc c'est perçu comme de l'esthétisation et pas de la forme. Voilà, et donc c'est un combat un peu au quotidien. C'est un peu comme la politique, tu vois, quand t'es de droite ou de gauche, voilà, c'est un peu pareil. Tu peux pas comprendre quand t'es formel et quand t'as le fond. Bon, moi je comprends les deux, mais apparemment c'est pas, non, c'est pas évident. Le truc c'est que on peut pas être juste. Nous, la forme raconte le fond, et c'est quelque chose que de toute façon jusqu'à aujourd'hui ça ne va pas du tout. Ça n'est pas compris, voilà. Et en fait, on est classifié comme film de genre, on a reçu beaucoup de scénarios de commandes. Qui sont écrits justement fond, donc avec des dialogues et tout ça, mais on ne trouve pas notre place dans ces trucs-là parce qu'il n'y a pas la place pour raconter, tout est déjà dit en fait. Voilà. Voilà. Vous justement, vous avez écrit vous-même, c'était des scénarios originaux, vos deux premiers longs métrages, et ensuite pour le troisième, Laissez bronzer les cadavres, c'est une adaptation du roman, comme l'a dit Arsène. Du roman éponyme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette envie d'aller sur une adaptation avant qu'on montre un extrait d'un roman réputé impossible à adapter au cinéma. C'est vrai. Apparemment, ouais, je sais pas. Oui, il y a eu plusieurs tentatives. C'était la réputation de ce roman. Vrai, il y a eu plusieurs tentatives raison, et puis qui n'ont pas mené, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Bon, moi, quand j'ai lu, bon, c'était du temps où j'étais donc libraire, voilà, j'avais lu Laissez bronzer les cadavres, donc de Jean-Patrick Manchette et de Jean-Pierre Bastide. Et c'était, c'est un western. Enfin, pour moi, j'ai dit à Bruno, tiens, Mélie, c'est génial, c'est un western, j'adorerais faire un western. Et donc, Laissez bronzer les cadavres, moi, j'aimerais bien, parce qu'en même temps, c'est pas juste un western, c'est un peu polar, c'est, voilà. Et en plus, il avait la même démarche un peu que nous, c'est-à-dire qu'il était, il était comportementaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout un truc de background des personnages psychologisants. et voilà. Oui, donc les personnages sont vraiment définis par ce qu'ils font dans le film. Et c'est comme ça qu'on les découvre et qu'on est avec eux. C'est parce qu'ils font, parce qu'ils sont. Voilà.
Et donc, la question c'était... Oui, l'adaptation. Oui. Et donc j'avais dit, moi, je ne me sentais pas d'adapter, je ne voyais pas tellement l'utilité, mais là, en fin de compte, ça me parle et je pense qu'on peut apporter quelque chose à ce roman. Je me sens bien de le... Voilà, on peut apporter notre univers dedans, j'ai l'impression que ça peut marcher. Moi, j'étais moins convaincu. J'aimais bien le roman, mais je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire avec, même s'il y avait effectivement tout un côté western qui me rappelait beaucoup le western italien et qui me plaisait. Mais jusqu'à présent, on était tout le temps centré sur l'intimité d'un personnage, et là c'était un film plus de groupe où il y avait plus de personnages, et c'était comment donner de la chair à tous ces personnages et que justement que c'est notre forme raconte un fond et que ce soit pas bon. Et du coup, c'est en prenant un des personnages du livre, le personnage de Luce, qu'on a trouvé la porte d'entrée. Parce qu'à travers ces happenings, ces créations artistiques, elle donnait une autre dimension à ce qui se passait. Donc des gens qui sont... c'est un film de siège où tu as des gens qui sont assiégés, des flics qui sont assiégés par les méchants. Et et vice-versa. Et vice-versa. Et du coup, ça a été la clé d'entrée et d'amener quelque chose d'onirique dans ce genre hyper codifié et terre à terre. Et aussi, c'était une envie de passer à quelque chose d'autre que notre univers personnel, parce que donc, L'étrange couleur, on l'avait écrit sur 10 années, si je ne dis pas de bêtises, ou 8 années, je ne me rappelle plus. On l'avait écrit avant Amère. Et que c'était des bon comme dit Hélène bon moi j'ai pas l'impression d'être réalisateur mais que elle tous les jours c'est son combat et donc ça faisait 12 ans qu'on travaillait ensemble et que ça se passe pas toujours super bien quand même hein, c'est le quotidien des fois on n'est pas d'accord sur des idées et tout ça et L'étrange couleur, ça nous avait quand même assez usé. Et le fait de partir sur un matériau neutre et de rebondir sur autre chose que quelque chose qui vient de nous... Qui a un gros changement de décor. Pardon ? Qui a un gros changement de décor par rapport à vos précédents. Ouais, voilà. Et ben, c'était un peu salvateur pour l'instant. Ça donnait de l'oxygène. Est-ce que vous pouvez situer l'extrait ? Pour qu'on comprenne ? Oui, l'extrait se déroule relativement au début du film. C'est simplement un braquage qui a... bien tourné pour les braqueurs, on va dire, et qui essaient de s'enfuir qui essaient de s'enfuir et qui vont rencontrer des autostoppeuses. Thank you.
c'est par ici. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que vos films étaient particulièrement formels. On ne pourra surtout pas vous le retirer. Et donc, comme on le voit, ou plutôt comme on l'entend dans cet extrait, vous avez tendance notamment à beaucoup jouer avec le son, et même à le souligner, à l'amplifier. Et aussi, vos films sont donc, comme dit tout à l'heure, intégralement tournés en post-synchronisation. Et à ce titre, Hélène, vous aviez dit dans une interview accordée à Courte Focale, quand on est en montage son, on peut choisir quels sons on fait ressortir. Rien que quand on touche, rien que quand on pose un stylo sur une table, il y a 5 sons. Celui de la table, celui du stylo, celui du toucher et celui du plastique. Alors, tout simplement, comment pensez-vous le son le long de la conception de vos films ? J'ai oublié un des touchés pour le stylo, c'est le ressenti. Parce que, en fin de compte, voilà, on pense au son en se demandant... en se disant juste qu'est-ce qu'on a envie de faire percevoir inconsciemment au spectateur comme sensation, et puis on va essayer de le faire passer par le son pas mal. Donc si on a des sons plus agressifs ou plus doux ou plus selon ce qu'on, si on veut un peu ce qu'on veut instiller chez le spectateur comme sensation, on va le mettre dans une des couches du son. Comme ça, c'est ni vu ni connu. Et c'est, en même temps, c'est comme quand on fait avec la lumière, si on veut un truc un peu chaud, un peu froid, bon, ben c'est pareil pour le son, en fait. On choisit les matériaux sonores en fonction de ce qu'ils vont procurer inconsciemment chez le spectateur. Donc, ça fait partie des outils qui constituent le propos. Par exemple, mettre un son d'incendie sur un briquet. Voilà. Ça vous vient comment, ça ? Le truc, c'est que donc, là, justement, par rapport à l'adaptation, moi, c'était les choses qui me faisaient peur, c'était ce genre de séquences qu'on vient de voir, qui sont censées faire avancer l'intrigue, donner des informations... Mais t'as plein de personnages, et comment tu donnes de la chair à tout ça ? Parce que est-ce que tu filmes tout en plan large et tu donnes tes informations, puis tu passes à autre chose ? Parce qu'en fait, c'est plus facile d'imaginer des séquences, par exemple, de gunfight que de ce genre de truc-là. Et donc là, à chaque fois, on passe d'un point de vue d'un personnage à un autre, et on passe dans le point de vue du chef des méchants, Rhino. Et donc, selon les informations qu'il reçoit, il commence à se dire qu'il va tuer les personnes qui sont arrivées. Donc, au fur et à mesure, sur le briquet, on met la roulette du flingue. Quand elle dit « j'ai kidnappé l'enfant », quand il allume du coup le briquet, t'as un coup de feu, et puis tu vois tous les personnages, et puis t'as ce son d'incendie sur les personnages. Tu sens sa tension, donc c'est pas un truc qu'il faut comprendre. Comme dit Hélène, c'est un truc qui touche peut-être plus l'inconscient, qui te donne des pistes. Mais moi, c'était ce qui me faisait beaucoup très peur quand on devait adapter le livre.
Et au final, voilà. Robert Bresson disait, je préfère qu'un spectateur ressente le film avant qu'il le comprenne, et je trouve que vous êtes complètement dedans. Et moi, j'avais une question justement par rapport à la méthode de production de faire un film où on ne prend pas le son directement. Je pense par exemple à des réalisateurs comme Philippe Garrel, qui, pour financer la pellicule de son film, répète tous les dimanches, pendant 52 dimanches, pendant une année avec ses acteurs, et ça permet d'avoir un tournage qui est très court, et comme ça, il finance la pellicule auprès de ses producteurs. On a aussi Luc Besson qui, pour Le Dernier Combat, n'a pas eu recours à une équipe son pour des raisons de budget et qui a, comme vous, fait appel à un bruiteur par la suite. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas avoir d'équipe son en tant que telle sur le tournage, c'est un avantage pour la production ? Ah ouais, clairement. Complètement. Ouais. Oui, on arrive à faire entre 20 et 40 plans par jour. Et du coup, on trace, on va super vite. Et puis, ouais, donc, il y a jamais de son direct en fait. Non, il y a juste quand il y a des dialogues, un son témoin. Et à ce, le jour où donc il y a le son témoin, donc t'as un ingé son. Et ce qu'on fait, c'est en fin de journée, on va avec l'ingé son et le comédien ou les comédiens, et on refait les prises en son seul. Et après, donc du coup, ce qu'on fait, on fait le montage son, le montage image qui est muet juste avec les sons témoins. Et après, on fait la session de bruitage. Et la session de bruitage, donc on l'a fait avant le montage son, et c'est ce qui va être la base de tout le film, de tout le son du film. Oui, c'est principalement les sons du bruiteur qu'il y a sur absolument tout le film. Donc c'est vraiment une grosse... Mais par contre, donc ça aide à aller plus vite au tournage, mais alors en post-prod, on met 6 mois de son. Enfin, on travaille pendant 6 mois, on travaille le son pendant 6 mois. Et dans ce long métrage aussi, il y a beaucoup de personnages. Il me semble que le casting a été long, non ? Ben oui, parce que comme il y a beaucoup de personnages, ce qui se passe, c'est qu'on est. On ne pouvait pas dire à une personne, c'est bon, ça va être toi. Il fallait qu'ils matchent bien les uns avec les autres, tous ensemble. Donc, ça a été vraiment. Voilà, on les a tous trouvés en même temps, du coup, mais il fallait vraiment que ce soit harmonieux entre eux pour pouvoir dire, ok, ça va être un tel, parce que même si on aimait telle personne et que ça n'allait pas en fin de compte avec les autres, on ne pouvait pas prendre cette personne. Donc ça a été vraiment un casting de groupe et ce n'était pas évident. Ouais, il y a des gens qu'on a castés pour un rôle qui finalement ont eu un autre rôle. Ouais, il y en a plusieurs comme ouais, ça. Oui, ouais, il y en a plusieurs. Et vous dirigez comment les acteurs sur le plateau ? Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Est-ce que les indications d'Hélène sont les mêmes que celles de Bruno ? Bon, en général, c'est toujours c'est l'inverse. C'est l'exact opposé. Voilà, on est toujours l'opposé. Mais comme sur le tournage, il n'y en a pas un qui fait tel rôle, un qui s'occupe de la caméra, l'autre qui s'occupe des comédiens, ça, c'est pas possible. Sinon, on va être frustré, ça ne peut pas le faire. Du coup... En général, avec le comédien, on les prévient déjà à l'avance qu'il y aura probablement à chaque fois 2 versions. Donc on fait 2 versions à chaque fois. Mais au final... Et celui-là était différent parce que c'était dans un espace ouvert qui était très grand. Et donc ouais. Il y avait... C'était très difficile d'accès. Ouais, très difficile ouais. D'accès. Mais du coup, il y en avait toujours un de nous qui était près de la caméra avec celui qui était à l'avant-plan. Et... l'autre qui était loin avec l'autre. Et donc, on se disait, bon, on parlait avec notre comédien chacun. Puis après, quand on se croisait pour refaire une prise ou quoi, en fait, on disait l'inverse à chaque fois. mais bon, ça, comme on les prévient à l'avance, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, bon, c'est pas mal d'avoir pour le montage, ça nous fait différentes versions. Mais comme c'est en pellicule, de toute façon, on ne fait jamais énormément de prises. Hein. Oui, il y a 2-3 prises. Oui, voilà. Hein, donc... Et parfois, vous enregistrez les dialogues avant de tourner, non ? Alors, avant de tourner, est-ce qu'on a déjà fait ça ? J'ai pas l'impression. Non. C'est après. Parce qu'on fait en fin de journée sur le tournage et après en post-synchro. Et après en post-synchro, on refait encore avec les comédiens. Mais du coup, comme il n'y a pas de son direct, on leur parle pendant la prise, on leur raconte. Parce que comme tout est très déstructuré, pour une séquence, elle peut être découpée sur 5 jours différents de tournage. À chaque fois, on doit resituer à quel moment il se trouve. Parce qu'il va faire. Par exemple, tu es là et on va faire tous tes gros plans d'yeux du film.
Et donc, tu as 18 gros plans de vue pour ton personnage, et à chaque fois, on va replonger le comédien dans le moment. C'est un truc un peu hypnotique. Ouais. Il y a toujours ce moment, parce que souvent, c'est en studio, c'est vrai, où on est vraiment dans quelque chose qui, pour que le comédien ressente comme de l'hypnose. Souvent, il y a les éclairages qui s'ajoutent là-dessus, et on lui raconte ce qu'il est en train de vivre. Pendant la prise, et ça c'est vraiment utile de ne pas avoir de son, c'est formidable quoi. Et justement, vous avez parlé du découpage qui est extrêmement précis, extrêmement millimétré, et vous avez dit dans l'interview au Geek Cinéphile, pour la direction d'acteur, cet effet Kuleshov, on y pense tout le temps. Alors au cinéma, l'effet Kuleshov, c'est un effet de montage par lequel on tire plus de sens de l'interaction d'un plan avec un autre, c'est-à-dire que par exemple on va montrer quelqu'un qui regarde avec envie quelque chose, et dans le contre-champ, par exemple, si on met de la nourriture, le spectateur pensera qu'il a faim, si on met une femme nue, on va penser autre chose. Et donc, vu que vous faites beaucoup de gros plans, notamment, cet effet Kuleshov, il vous force à, d'une certaine façon, il me semble, penser au montage pendant le tournage, et d'ailleurs, il paraît que certains de vos acteurs sur Laissez bronzer les cadavres ne se sont même pas croisés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour certaines scènes... Oui, parce que comme on fait donc les gros plans des yeux dans un certain dispositif, donc oui, ils sont pas, il y a pas de, on n'est pas dans ils sont pas l'un en face de l'autre, parce que justement il y a cette méthode un peu d'hypnose, on va dire, qui fait que il n'y a pas besoin vraiment qu'il y ait le partenaire, bon, sauf s'il le souhaite, hein, on peut, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà. Et puis l'autre chose qui est compliquée, c'est que les très très gros plans d'yeux, il y a un problème avec le focus, c'est que si jamais on bouge même légèrement à cause de la respiration, tout de suite on part dans le flou, c'est compliqué. Donc des fois, on est même obligé de tenir un peu la tête du comédien pour que vraiment il bouge pas du tout. Et bon. Voilà, ça après, on prévient toujours les comédiens avant le film, pour être sûr qu'ils aient vraiment envie de faire le film. On leur dit, c'est possible que pour certains plans, c'est très technique, mais il faut quand même incarner le personnage en plus de ce paramètre technique qui peut paraître lourd pour certaines personnes. Après, pour d'autres comédiens, c'est au contraire rassurant, et c'est vrai que tout est très balisé, et ça laisse une liberté, mais il faut incarner dans des conditions des fois pas toujours très faciles. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses très balisées, ça peut être rassurant, et puis il y en a d'autres qui sont un peu contraignantes. Ça dépend des tempéraments des comédiens, et on les prévient à l'avance, et puis s'ils ne se sentent pas de travailler comme ça, ils refusent. Hein. Et par rapport à ce truc de Kuleshov, c'est que, comme on fait beaucoup de gros plans... un moindre clignement de cils, ça devient un truc gigantesque en gros plan, et donc du coup on essaie d'être à chaque fois qu'il soit le plus neutre possible. Et pareil pour nos deux premiers films où tu avais tout un jeu de miroir avec les personnages, on leur faisait lire à chacun des comédiens que leur partie pour pas qu'ils surinterprètent et laissent justement ouvert les interprétations par rapport aux autres personnages. Ouais. Parce que sinon, ça refermait tout, et voilà. Oui, s'ils savaient qu'il y avait un jeu de double ou de quoi, on ne voulait pas qu'ils sachent. Voilà. Ce que je trouve très, très intéressant dans vos films, c'est que vous arrivez en tournage avec quelque chose de très préparé, très balisé aussi pour la direction d'acteur. Et ensuite, vous vous retrouvez à la post-production, où vous, à la fois, vous les dirigez presque a posteriori avec l'effet Kuleshov, puis vous travaillez aussi le son. Est-ce que cette étape vous permet un peu de réécrire le film, ou est-ce que vous l'aviez déjà en tête à l'écriture ? Le montage ? Oui, le montage, la post-production. Ah oui, non, alors le montage, on ne réécrit pas du tout. Non, ça règle deux trucs, c'est le rythme, pour donner le côté fiévreux et spirale qu'on cherche, et le jeu de comédien. Voilà, c'est vraiment les deux trucs qu'on règle à ce moment-là, mais on ne touche pas la structure. Et pour le bruitage, est-ce que vous avez déjà en tête les sons en les écrivant, ou principalement les images ? Oui, parce que les sons ont en général un rôle dans le... dans l'histoire, dans ce qui se passe. Donc oui, ça, tous les sons, oui, ce qu'on a vu, par exemple, les sons qui vont être remplacés, oui, ça on a en tête. Mais après, avec le bruiteur, il y a vraiment une recherche de texture des sons. Donc
voilà, il nous fait des propositions de son un peu en amont. On regarde avec lui vraiment toutes les textures de, voilà, comme les textures de tissu. Ça, on fait bien à l'avance avec lui. Ouais, il fait des recherches vraiment. Et aussi, comme il y a pas mal de sons qui vont ensuite aller dans l'ambiance, qui vont créer l'atmosphère, alors il nous propose aussi des choses. Nous propose des choses et des fois on lui donne, si on a un peu des idées, on lui donne un peu des ambiances, de choses qu'on veut pour qu'il trouve les objets une fois sur place. Et la musique, vous allez toujours la chercher dans des films anciens ou pas, avez-vous envie de travailler avec un compositeur contemporain qui pourrait comprendre ou faire du à la manière d'eux? Moi je ne suis pas contre, mais ce qui se passe c'est que bon, pour le moment on a toujours travaillé avec ces morceaux qu'on a récupérés et qui nous ont en général toujours inspiré les séquences. En général, quand on écoute les musiques en écrivant, ces musiques ont influencé sur le rythme de la séquence et puis elles ont mis leur patine. Il nous faut exactement cette musique et des fois même en mixage, le mixeur veut nettoyer ces musiques parce qu'elles datent des années 60, donc elles étaient enregistrées d'une certaine manière, aujourd'hui c'est plus propre et tout ça, donc il nous les clean et puis d'un coup on les reconnaît plus, ça va pas du tout quoi. Donc il y a vraiment le son d'origine qui a son importance et on veut vraiment retrouver les sonorités de l'époque, la manière d'enregistrer de l'époque, de mixer de l'époque et tout ça, parce que ça permet vraiment finalement de finaliser l'univers. C'est important en fait. Alors après, on n'est pas, enfin moi je suis pas contre essayer de travailler avec des compositeurs d'aujourd'hui, mais par contre il faudrait avoir les musiques pendant qu'on écrit. C'est ça le problème. Ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Oui, tu n'es pas contre. Moi, plus contre, mais voilà. Non, mais le problème, c'est vraiment qu'il faut avoir ces musiques pour écrire, parce que c'est important. Mais là, pour l'instant, sur les prochains projets qu'on a écrits, il y a déjà les musiques, donc bon, c'est si on fait encore d'autres films après ça, je ne sais pas, ben, peut-être que oui, mais là, pour l'instant, non. Mais il faudrait que la personne, peut-être, je ne sais pas. Comment faudrait faire. Une question bonus avant qu'on donne la parole à la salle. Oui, alors moi je voulais vous poser une question par rapport aux films contemporains. En fait, vous faites souvent des références aux films du passé, mais moi j'aimerais savoir si des films contemporains vous inspirent, et même pour aller plus loin, j'aimerais savoir si vous sentez appartenir à un mouvement de cinéastes. Alors il y a notamment James Wan qui parle de la New French Extremity, c'est très... dans laquelle il met notamment Gaspard Noé, Catherine Breillat, Bruno Dumont, Léo Scarrax, Philippe Grandieu. Et il y a aussi quelque chose d'encore plus secret. Qui c'est, James Wan ? James Quant. Quant, ah d'accord, je crois que c'est James Wan. James Quant, un critique anglais. Mais peut-être, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, il y a aussi le Manifeste Flamme, écrit par Bertrand Mandico, Yann Gonzalez, Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Et j'aimerais vous en lire un court extrait. Nous poursuivons un cinéma qui traverse les genres, les émotions, le temps qui traverse la rétine et la chair, les désirs, les désordres qui traversent les idées reçues, l'écran, les étoiles, les actrices, les acteurs, les frontières et les sexes qui traversent sans se retourner, qui traversent la peur et les plaies, l'esprit, les lumières et les flammes. Nous poursuivons un film enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants et les transpirantes et aussi pour les enfants qui brûlent, un cinéma qui jouit et se consomme sans compter. C'est un manifeste qui a été publié dans les cahiers du cinéma. Est-ce que vous vous retrouvez ? Tu le lis bien, en tout cas. Merci. Bravo. Et du coup, est-ce que vous vous retrouvez dans ce manifeste ? Mis à part les enfants qui brûlent, ouais. Ouais. Mais oui, en fait, moi, clairement, les films... C'est des films qui inspirent. Moi, c'est ça qui m'attire, les films qui inspirent. Donc, dans les années 70, il y avait quand même des vagues très inspirantes et qui m'ont ouvert des portes pour me dire ah ben voilà, j'ai trouvé des chemins pour essayer d'exprimer ce que j'arrivais pas à faire par des mots. Mais ces personnes sont aussi dans cette veine-là, et quand je vois leurs films, ça m'inspire. Après,
J'ai presque envie de prendre des notes. Pendant des fois, quand je regarde un film, je dis « Ah, mais oui, mais ça m'a donné plein d'idées. » Et voilà. Et qu'on ressort, on est vraiment genre, complètement... Ouais, on est porté, on a envie d'en faire après. On a envie de vite prendre sa feuille pour coucher des idées et rebondir et avoir un dialogue avec ces films-là. Et c'est génial parce que... Voilà. Moi, voilà. Vous pensez à un film en particulier ou des films? Je veux dire récent. Ouais. Récent. Notamment parmi ceux que j'ai cités ou d'autres même peut-être. Bah oui, Ultra Pulp, moi j'avais adoré personnellement. Ouais. Et puis Lucille Azalilovitch, et puis aussi Peter Streatland qui a fait des films hyper inspirés et inspirants. Après quoi, notre collaboration. Bon, il y avait ce truc de Giallo, Chris Marker, c'était un peu notre background, mais à Bruxelles, il y avait Gaspard Noé et Lucie Azalilovitch qui étaient venus présenter La bouche de Jean-Pierre et Carne. Et c'était un couple et qui partageait un même univers dans ces deux films, mais qui avaient tous les deux un point de vue complètement différent dans ce même univers qu'ils avaient créé. Et dans la manière de cadrer le son... ce 16 mm scope qu'on découvrait sur grand écran avec ce grain et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fondateur pour nous deux. Sauf qu'on ne l'a pas fait séparément, on l'a fait ensemble, avec un autre univers. Ce truc de Chris Marker, de Giallo et de notre univers intérieur qu'on explorait via ces deux médiums, on va dire. Et voilà, mais c'était vraiment la base. Et est-ce que vous aviez vu les films belges des années 70 des cinéastes Roland comme Harry Kummel et d'autres? Il y a Roland Lethem, moi c'est aussi Jean-Marie un cinéaste Boucher. Qui m'a énormément que j'ai fréquenté à un moment donné et qui m'a énormément inspiré. Il a fait un film qui s'appelait Bande de cons, qui était un long métrage en 1973. Où le public était insulté par le film et le spectacle n'était plus sur l'écran mais dans la salle. Et voilà, et sa manière d'envisager le cinéma qui était entre recherche formelle et le côté un peu exploitation de la série B, c'était des films sacrilèges, on va dire. C'est vraiment un cinéaste, je crois que c'est le cinéaste belge qui m'a le plus inspiré, imprimé. Vase de noces de Thierry Zeno ou pas? Après, y avait L'homme au crâne rasé par rapport à... Énormément. Le premier long métrage d'André Delvaux. Voilà. Pour L'étrange couleur, à fond. Voilà, pour L'étrange couleur, c'était la base. Il y avait donc le film de Rudereux, Crazy Love pour Amer. Et après, il y avait Monsieur Fantomas pour le côté surréaliste. Qui est le seul moyen métrage réalisé par Hans Moorman en 1937. Film muet sur le bout des doigts. Mais Les Lèvres Rouges de Harry Kummel, pas justement dans on ce côté. On l'a découvert après. Dans ce côté sensoriel et cet amour du cuir. Mais on l'a vu après. Mais après, ouais. Parce que super. Pendant tout un temps, il n'était pas visible. Et moi, je travaillais à la Cinémathèque et j'avais pu voir la première bobine. J'étais, c'était excellent, mais on l'a vu plus tard. Ouais, vous pouvez le retrouver. Il a été restauré et distribué par Malavida. Eh bien, merci pour cet échange savoureux. Eh bien, bien. Merci.